Dans quelle parcelle? Dans quelle parcelle? Ces applaudissements ne sont pas gratuits. Pour ces paysans, habitués pourtant à mener un troupeau, apprendre à guider un attelage de bœufs est un exploit. Nous sommes au centre de Sao Clem par le National de Développement Rural, une organisation non gouvernementale d'aide au développement. Jusqu'il y a peu, rien ne poussait ces paysans à vouloir utiliser une charrue. Mais depuis quelques années, bien des choses ont changé au Sahel. La zone sahélienne traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Haute-Volta. Il recouvre approximativement 4 pays nationales de développement rural, une organisation non gouvernementale d'aide au développement. Jusqu'il y a peu, rien ne poussait ces paysans à vouloir utiliser une charrue. Mais depuis quelques années, bien des choses ont changé au Sahel. La zone sahélienne traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Haute-Volta. Il recouvre approximativement 4% de la surface terrestre. La zone sahélienne traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Haute-Volta. Il recouvre approximativement 4% de la surface terrestre. 1 à 5 habitants au kilomètre carré. Le revenu par habitant est un des plus bas au monde. Le taux de mortalité, un des plus élevés. L'espérance de vie, 32 ans. C'est à Gorom-Gorom, petite bourgade du nord de la Haute-Volta, que travaillent les membres du CIDR. C'est dans cette région que se marquent, ancrés dans le sol, aride, et dans le désir des populations qu'ils animent, les effets de leur action. Racontons leur histoire, pour que la sécheresse ne tue plus. Rappelez-vous, c'était en 1973. Après 5 années de sécheresse ininterrompue, le Sahel voyait sa population fuir la région. Les puits taris, les terres à sec. Les animaux, faméliques, mouraient. L'opinion internationale s'était émue. Après 5 années de sécheresse ininterrompue, le Sahel voyait sa population fuir la région. Les puits taris, les terres à sec. Les animaux, faméliques, mouraient. Les animaux, faméliques, mouraient. Mouraient.
L'opinion internationale s'était émue. Six ans et aujourd'hui, des zones entières n'ont pas encore repris vie, diminuant ainsi les possibilités de culture et des... d'élevage. Les précipitations sont restées faibles durant les dernières saisons des pluies. Et celles-ci sont trop brèves, de mai à septembre. Le vent, toujours présent dans vastes étendues, dénude les racines. Et soulève les couches de terre superficielles jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées par les plantes qu'elles enterrent et étouffent. L'étendue et la richesse des pâturages sont des souvent jambées et rares. Sahel est vert. Au nord de cette belle mare d'Ouri, vous trouvez Sahel est vert. Ne dit-on pas qu'il existe, on ne dit pas le bétail, car il n'y a pas de pas d'accible. Dès lors, creuser des puits très profondément pour atteindre cette nappe phréatique serait-il vraiment utile à la population? La réponse semble évidente, et pourtant elle ne l'est pas. C'est un exemple de question auquel se trouvent confrontés ceux qui, comme le CIDR, s'occupent de développement. Pour savoir comment y répondre et comment agir, il faut d'abord connaître les populations auxquelles on s'adresse. Amidou est un peul, nous l'avons déjà vu conduisant les bœufs au centre de Saoga. Il habite avec sa famille ce campement, non loin du village de Débéré, installé dans le champ de Mil. Les activités quotidiennes des habitants du campement sont immédiatement liées à leur survie. Le mil constitue l'alimentation principale. Sa récolte se fait après la saison des pluies, appelée hivernage, et doit être suffisante pour nourrir la famille jusqu'à la saison suivante. Elle ne l'est pratiquement jamais. Il faut alors vendre du bétail pour pouvoir acheter du mil au marché. Mil qui à ce moment-là sera vendu au prix le plus fort.
pratiquement jamais. Il faut alors vendre du bétail pour pouvoir acheter du mil au marché. Mil qui, à ce moment-là, sera vendu au prix le plus fort. Matin et soir, les mêmes gestes se répètent, ancrés dans la tradition. Et devant la précarité de cette vie, on s'interroge. Comment aider ces gens à mieux vivre? Matin et soir, les mêmes gestes se répètent, ancrés dans la tradition. Et devant la précarité de cette vie, on s'interroge. Comment aider ces gens à mieux vivre? C'est l'observation, on s'interroge. Comment aider ces gens à mieux vivre? C'est l'observation et la compréhension des modes de vie des habitants du Sahel qui ont permis au CIDR d'orienter sa politique de développement. Amidou, pourquoi vous n'habitez pas dans le village de Tébéré? Et parce que là, nous faisons l'élevage. Amidou, pourquoi vous n'habitez pas dans le village de Tébéré? Et parce que là, nous faisons l'élevage. C'est pourquoi on ne peut pas rester dans le village. Donc, étant ici, il y a de l'eau à côté et puis il y a de l'herbe aussi à côté. Et nous fumons aussi nos champs. Si nous allons dans le village, on risque de perdre le fumier qui allait être dans les champs. Est-ce que pour les Peuls, c'est plus difficile de vivre aujourd'hui qu'avant? Si nous allons dans le village, on risque de perdre le fumier qui allait être dans les champs. Qui allait être dans les champs. Est-ce que pour les Peuls, c'est plus difficile de vivre? Est-ce que pour les Peuls, c'est plus difficile de vivre aujourd'hui qu'avant? Maintenant, c'est plus difficile parce que je peux. C'est plus difficile parce que on nous avait fait savoir que avant il y avait plus d'eau et il y avait plus, c'est-à-dire plus de pluie, les arbres n'étaient pas crevés, il y avait beaucoup d'herbes. Oui, mais actuellement, tout est difficile. Il faut, avec les moyens techniques que nous a appelés, il faut qu'on améliore avec ça. Sans ça, ça ne marche pas. Si on essaie de faire comme traditionnellement, ça ne marchera pas. Ouais. En 1974, il y avait un travail, il y avait un service privé qui était venu pour nous montrer. En 1974, il y avait un travail qui un service privé qui était venu pour nous montrer comment de la façon de travailler et de meilleures façons de comment faire pour réussir à l'agriculture et à l'élevage. C'est pourquoi moi aussi cela m'a intéressé pour que je puisse comprendre ça et expliquer les voisins et la famille. Famille dont Amidou est responsable. Et le groupe privé dont il parle est le CIDR. Il emploie Amidou et le P comme animateur, vulgarisateur de techniques d'amélioration de culture. Tous les jours, famille dont Amidou est responsable. Et le groupe privé dont il parle est le CIDR. Il emploie Amidou et le P comme animateur, vulgarisateur de techniques d'amélioration de culture. Tous les jours, Amidou fait plusieurs kilomètres
pour se rendre au centre expérimental de Saouga. Tous les jours, Amidou fait plusieurs kilomètres pour se rendre au centre expérimental de Saouga. Les initiateurs de ce centre, membres du CIDR, habitent Gorom Gorom. Ils sont 6, 3 couples. Tous les matins, ils règnent dans la cour de leur maison une grande animation. C'est là que se distribue le travail, que les discussions se font et que les décisions se prennent. Un jardin de démonstration a été fait avec différentes variétés, carottes, tomates, haricots, choux. Mais il a été indispensable d'y joindre des séances culinaires d'utilisation de ces produits inconnus là-bas. Ici, à Ménigou, les femmes se sont mises ensemble pour réaliser ce jardin collectif. Elles ont cotisé afin de pouvoir payer les hommes pour la fabrication de la chose la plus importante, la clôture. Elle cultive pour la première fois. Ça sent les titulaires, mais ça... Lui, c'est trop petit, il faut qu'elle mette un plus grand bâton. Oui, non, pour la première fois. Ça sent les titulaires, mais ça... Lui, c'est trop petit, il faut qu'elle mette un plus grand bâton. Oui, Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Moi, j'aime bien que, après avoir fait une démonstration de quelque chose, par exemple, que ce soit un jardin potager ou le croisement de volailles métissées. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Moi, j'aime bien que, après avoir fait une démonstration de quelque chose, par exemple, que ce soit un jardin potager ou le croisement de volailles métissées et volailles sélectionnées, qu'il y ait des gens qui viennent nous demander comment ils peuvent faire la même chose dans le village. Par exemple, on a fait dans un village un jardin de démonstration et les femmes sont allées voir, elles n'avaient jamais cultivé, elles connaissaient pas la tomate, la carotte, le chou, la salade. Et l'année après, elles sont venues demander comment on peut faire pour avoir un jardin comme ça. Alors maintenant, c'est en deuxième année, ça marche bien. Et elles s'organisent entre elles avec le vulgarisateur pour la clôture, pour l'achat de semences, elles payent. Et ça marche. En fait, moi, je n'apporte pas beaucoup d'appui technique, seulement je les encourage et c'est elles qui font. Il y a des problèmes urgents qui semblent se poser. Alors, comment réagissez-vous? Pierre, Marion? Bien, les problèmes urgents, il y en a. Il y a des villages qui récoltent pour 2 mois de mythe. Il y en a qui récoltent de quoi manger pendant 2 mois. Ça, et ils ont plus rien. Non, il y a deux réactions possibles. Il y a la première réaction, qui est une réaction humanitaire et humaine, qui est tout à fait normale, qui consiste à apporter aux gens ce qui leur manque. Et la deuxième réaction, qui est peut-être un peu plus réfléchie, c'est... Il y a des problèmes urgents qui semblent se poser. Alors, comment réagissez-vous? Pierre, Marion? Bien, les problèmes urgents, il y en a. Il y a des villages qui récoltent pour 2 mois de mythe. Il y en a qui récoltent de quoi manger pendant 2 mois. Ça, et ils ont plus rien. Non, il y a deux réactions possibles. Il y a la première réaction, qui est une réaction humanitaire et humaine, qui est tout à fait normale, qui consiste à apporter aux gens ce qui leur manque. Et la deuxième réaction, qui est peut-être un peu plus réfléchie, c'est à partir de ce qui leur manque, essayer de voir comment chacun peut avoir ce qui lui manque. Alors pour la région, par exemple, si vous allez dans les villages, vous verrez que le besoin principal, c'est le manque de mil. Il n'y a pas de mil, ils n'ont pas assez à manger. Et c'est vrai, c'est des gens
qui ne mangent qu'un repas par jour. Et c'est tellement vrai que c'est devenu une habitude chez eux. Ils savent, certains ne savent pas ce que c'est que deux repas par jour. Alors, on peut leur apporter du mil. Mais étant donné que le processus qu'on a mis en place a démontré qu'il y avait des potentialités agricoles indiscutables ici, on peut leur apprendre. Ils sont tout à fait capables d'apprendre à cultiver et de produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et alors justement, par rapport à l'élevage, vous avez aussi essayé de mettre un moyen de production en place pour que les bêtes aient à manger. Oui, l'objectif du travail, l'objectif technique du travail qu'on fait, c'est l'amélioration de l'élevage, qui passe d'abord par l'amélioration, par l'alimentation, parce qu'on ne peut pas demander à un éleveur de faire un élevage rationnel si lui-même n'a pas de quoi mettre quelque chose dans son ventre. Alors sur le plan de l'élevage, le problème est différent de l'agriculture. Sur le plan de l'élevage, il y a trop d'animaux. Il n'y a pas assez d'herbes et il y a trop d'animaux. L'élevage est la grande activité traditionnelle des gens du Sahel. Le bétail est le capital de l'éleveur. La sécheresse l'avait dramatiquement diminué. Mais aujourd'hui, le cheptel est en voie de reconstitution. Mais les pâturages. Les pâturages, eux, restent limités. Accessibles à tous, ils sont appauvris. Une des actions du CIDR est d'améliorer la production animale en milieu traditionnel. Mais cette augmentation des troupeaux n'a de sens que si elle est orientée vers la commercialisation, ce qui pose de nouveaux problèmes. Cette action n'a pu se faire que par le biais d'animateurs, issus eux-mêmes du milieu d'éleveurs, et n'a pu être entrepris que sur demande des éleveurs eux-mêmes, ou sinon l'action est sans effet. Un exemple d'amélioration du bétail, c'est la fabrication de pierres à lécher. Rissa fait une démonstration dans un village. L'élevage est la grande activité traditionnelle des gens du Sahel. Le bétail est le capital de l'éleveur. La sécheresse l'avait dramatiquement diminué. Mais aujourd'hui, le cheptel est le capital de l'éleveur. La sécheresse l'avait dramatiquement diminué. Mais aujourd'hui, le cheptel est en voie de reconstitution. Mais les pâturages, eux, restent limités. Accessibles à tous, ils sont appauvris. Une des actions du CIDR est d'améliorer la production animale en milieu traditionnel. Mais cette augmentation des troupeaux n'a de sens que si elle est orientée vers la commercialisation, ce qui pose de nouveaux problèmes. Cette action n'a pu se faire que par le biais d'animateurs, issus eux-mêmes du milieu d'éleveurs, et n'a pu être entrepris. Les troupeaux n'a de sens que si elle est orientée vers la commercialisation, ce qui pose de nouveaux problèmes. Cette action n'a pu se faire que par le biais d'animateurs, issus eux-mêmes du milieu d'éleveurs, et n'a pu être entrepris que sur demande des éleveurs eux-mêmes, ou sinon l'action est sans effet. Un exemple d'amélioration du bétail, c'est la fabrication de pierres à lécher. Rissa fait une démonstration dans un village. Les chèvres, les moutons, les vaches, tout est bien ça. Donc dans la pierre à lécher, il y a des éléments qu'on trouve. Les chèvres, les moutons, les vaches, tout est bien ça. Donc dans la pierre à lécher, il y a des éléments qu'on trouve dans la brousse. Donc dans la pierre à lécher, il y a des éléments qu'on trouve dans la brousse qui sont concentrés. Oh, ouais. Tout ce qu'on trouve en brousse, on fait dans les pierres à lécher. Donc toute la valeur nutritive. Oui. C'est ça, à cause de ça qu'on fait les pierres à lécher. Parce que dans les brousses, tu grilles, il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien. Plus rien. Que l'herbe, mais l'herbe, ça n'a rien. Il faut lui augmenter quelque chose. La vache, il va manger, mais je ne sais pas même s'il a mangé.
La vache broute, mais au fond, elle n'a rien à manger. Quoi. Et qu'est-ce qui est le plus important dans la pierre à lécher comme élément? Il y a les os, le sulfate de cuivre qu'on met là-dedans, et puis le sel. Comment lutter contre le surpâturage et la dégénération des terres? Une des solutions imaginées par certains, tant chez les autorités locales que dans des organismes d'aide, serait de clôturer les pâturages. Ceux-ci ne recevraient qu'un nombre défini de têtes de bétail, et d'autres serviraient à la culture fourragère. Comment lutter contre le surpâturage et la dégénération des terres? Une des solutions imaginées par certains, tant chez les autorités locales que dans des organismes d'aide, serait de clôturer les pâturages. Ceux-ci ne recevraient qu'un nombre défini de têtes de bétail, et d'autres serviraient à la culture fourragère. Un essai vient de démarrer et donne lieu à des images assez surprenantes pour le Sahel. Clôturer le Sahel. Prendre une telle décision, comme beaucoup de celles que l'on prend quand on veut développer une région, n'irait pas sans conséquences profondes. Clôturer le Sahel, cela veut dire sédentariser les nomades. Beaucoup de celles que l'on prend quand on veut développer une région n'irait pas sans conséquences profondes. Clôturer le Sahel, cela veut dire sédentariser les nomades. Là où les effets de la sécheresse ont été les plus dramatiques et sont encore présents, c'est chez les seigneurs du désert, les Touaregs. Leurs grands troupeaux ayant été décimés et peu habitués au travail manuel, les Touaregs... Là où les effets de la sécheresse ont été les plus dramatiques et sont encore présents, c'est chez les seigneurs du désert, les Touaregs. Leurs grands troupeaux ayant été décimés et peu habitués au travail manuel. Les Touaregs ont dû pour survivre changer de manière radicale leur façon de vivre. C'est d'où le chef de ce campement a suivi la vulgarisation proposée par le CIDR. Est-ce que c'était facile de reconstituer ce cheptel? En tout cas, on est sur le déclin. Démarrage, on vient juste de démarrer. On n'est pas retourné en vie normale, mais on est en voie. Et qu'est-ce que vous faites pour essayer de reconstituer cela? Enfin, il y a une espèce de... On a changé notre tradition. On a passé à un autre système d'élevage qu'on trouve encore mieux que notre système d'avant. On avait des animaux en pagaille, mais maintenant on a trouvé qu'avec moins d'animaux, on est aussi bien que lorsqu'on avait beaucoup. Et c'est moins fatigant aussi qu'avant. Et le problème des pâturages, est-ce que vous trouvez toujours de quoi manger pour les animaux? Il y a des années où on ne trouve pas.
Exemple, cette année, ce serait très très difficile pour nous. On a déjà vu ça depuis un hivernage. Ça n'a pas poussé. Puis, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Soit acheter des graines de coton ou choses comme ça. Si ça n'est pas bien poussé, il n'a pas bien plu ici. Ici, dans votre campement, est-ce que les puits sont loin? Est-ce qu'ils sont pleins? Les puits sont à peu près à 1 km d'ici, mais il n'y a pas assez d'eau. Il faut toujours recréer, toujours, tous les 3 jours, on recrée le puits. On a un puits en ciment fait l'année dernière, en 78, là. Mais ça n'a pas bien réussi jusqu'à présent. Il y a le problème de l'eau aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur ici dans le village? En tout cas, il y a le problème de l'eau. Que ça n'est pas bien poussé, il n'a pas bien plu ici. Ici, dans votre campement, est-ce que les puits sont loin? Est-ce qu'ils sont pleins? Les puits sont à peu près à 1 km d'ici, mais il n'y a pas assez d'eau. Il faut toujours recréer, toujours. Ici, dans votre campement, est-ce que les puits sont loin? Est-ce qu'ils sont pleins? Les puits sont à peu près à 1 km d'ici, mais il n'y a pas assez d'eau. Il faut toujours recréer, toujours. Tous les 3 jours, on recrée le puits. On a un puits en ciment fait l'année dernière, en 78, là. Mais ça n'a pas bien réussi jusqu'à présent. Il y a le problème de l'eau aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur ici dans le village? En tout cas, il y a le problème de l'eau, puis le pâturage, les vivres. Parce qu'on n'a rien récolté aussi. Rien, rien. Que vous croyez qu'il y a assez à manger pour tout le monde? Si c'est pas acheté, il n'y a pas. Il faut que le groupement trouve du mil, sinon il n'y a pas. Et comment le groupement va-t-il trouver du mil? Ce qu'on a comme stock actuellement, on a acheté une moitié dans la région d'Arbinda. La moitié aussi vers Djibo. C'est ça qu'on a pour le moment en stock. Mais ça ne suffira pas. Ça fait juste 30 sacs. Vous dites qu'il faut changer la tradition, mais vous êtes Touareg. Est-ce que ce n'est pas un grand bouleversement? Pas c'est un bouleversement, mais on est obligé. On est obligé, il faut. On ne peut pas faire autre chose. Parce que tradition, on ne peut plus rester en traditionnel. Vous dites qu'il faut changer la tradition, mais vous êtes Touareg. Est-ce que ce n'est pas un grand bouleversement? Pas c'est un bouleversement, mais on est obligé. On est obligé, il faut. On ne peut pas faire autre chose. J'ai la tradition, mais vous êtes Touareg. Est-ce que ce n'est pas un grand bouleversement? Pas c'est un bouleversement, mais on est obligé. On est obligé, il faut. On ne peut pas faire autre chose. Parce que tradition, on ne peut plus rester en traditionnel. On est obligé de changer. Oui, vous étiez des nomades avant, et ouais, maintenant? On est des nomades, mais maintenant on s'est sédentaire. Ou semi-sédentaire. On essaye parfois d'aider les pays en voie de développement, et notamment le Sahel. Qu'est-ce que vous pensez que d'autres pays peuvent faire pour le vôtre? Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais on sait ce qu'on désire qu'ils font pour nous. Ouais.
qu'on a des problèmes de l'eau, des problèmes de pâturage, de la désertification là, puis beaucoup de problèmes. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire pour nous, mais on sait ce qu'on désire qu'ils font pour nous. Il est étonnant de constater que depuis la sécheresse, aucun de ce qu'on appelle les grands projets, routes, forages profonds, barrages, irrigation, n'a été financé au Sahel, alors que le monde entier s'est ému de sa misère. Angle 00, distance. Grâce à la prise de conscience de certains sahéliens et à la sensibilisation au développement pratiquée par de petits projets, certains villages ont commencé à se prendre en charge. Ici, on fabrique des diguettes pour retenir l'eau afin de régénérer les pâturages et les terres de culture. Il est étonnant de constater que depuis la sécheresse, aucun de ce qu'on appelle les grands projets, routes, forages profonds, barrages, irrigation, n'a été financé au Sahel, alors que le monde entier s'est ému de sa misère. Angle 00, distance. Grâce à la prise de conscience de certains sahéliens financés au Sahel, alors que le monde entier s'est ému de sa misère. Angle 00, distance. Grâce à la prise de conscience de certains sahéliens et à la sensibilisation au développement. Grâce à la prise de conscience de certains sahéliens et à la sensibilisation au développement pratiqué par de petits projets, certains villages ont commencé à se prendre en charge. Ici, on fabrique des diguettes pour retenir l'eau afin de régénérer les pâturages et les terres de culture. On fabrique des diguettes pour retenir l'eau afin de régénérer les pâturages et les terres de culture. Monsieur, vous êtes instituteur et aussi président du comité de ce village. Alors pourquoi le comité des villageois fait-il tout ce travail ? Monsieur, vous êtes instituteur et aussi président du comité de ce village. Alors pourquoi le comité des villageois fait-il tout ce travail ? Le comité du village fait ce travail, c'est dans le but de freiner surtout l'exode rural et enfin permettre aux populations de rester sur place afin de surveiller mieux les travaux champêtres et autres. Pourquoi la population s'en va-t-elle ? C'est parce qu'il n'y a pas de travail après l'hivernage. Il n'y a rien à faire, donc il faut partir. Et alors, maintenant nous sommes en saison sèche, donc vous avez organisé ça. À quoi ça va servir exactement? Ça servira à beaucoup de choses, puisque nous avons constaté que les champs sont le plus souvent raclés par les eaux en hivernage. Alors donc, le terrain se dégrade. Donc là, nous espérons qu'à partir de ces digues, l'eau sera freinée et que certainement qu'il y aura beaucoup de choses à faire en ce moment. Quelque chose de merveilleux. Et ça, à quoi ça va servir exactement? Ça servira à beaucoup de choses, puisque nous avons constaté que les champs sont le plus souvent raclés par les eaux en hivernage. Alors donc, le terrain se dégrade. Donc là, nous espérons qu'à partir de ces digues, l'eau sera freinée. Alors donc, le terrain se dégrade. Donc là, nous espérons qu'à partir de ces digues, l'eau sera freinée et que certainement qu'il y aura beaucoup de choses à faire en ce moment. Quelque chose de merveilleux. C'est vous qui avez eu l'idée ? C'est pas moi, c'est vraiment la CIDR. Mais quand vous avez proposé ça aux villageois, est-ce qu'ils étaient tout de suite d'accord? Ils n'ont jamais fait ce genre de travail. Ils ne l'ont jamais fait, mais ils étaient très satisfaits parce qu'ils allaient rester sur place. Et puis surtout, donc on a expliqué l'intérêt de ce travail. C'est encore, ils reçoivent, ils sont chez eux, ils perçoivent des indemnités. Et ensuite, c'est pour leur village. Donc, ils ont accueilli ça vraiment avec un bon terme, très satisfait. Et vous, quel est votre espoir? Moi, mon espoir, un jour, c'est de voir ces travaux-là se réaliser. Et surtout, voir l'herbe pousser dans les zones de pâturage. Et puis ensuite, le reboisement que nous comptons faire, le voir un jour, voir la zone bien reboisée. Est-ce que c'est pas un beau rêve, ça? Est-ce que vraiment vous croyez que le Sahel, après cette grande sécheresse, peut changer? Si, il peut bien changer avec beaucoup de courage. Si toutefois, nous avons toujours ces travaux
eh bien, nous pourrons bien changer. Il faut, si nous travaillons, tout ira. Voir. Voir. Voir ses amis, Doudou et Moussa. Ils habitent une petite maison au bout du village. Marou. Au village, il y a beaucoup de cars. Baba aime son petit village. Son petit village. Alors? Ses amis. Non. Alors, il est allé voir ses amis, Doudou et Moussa. Ils habitent une petite maison. Il va habiter. Voir. Voir. Voir ses amis, Doudou et Moussa. Ils habitent une petite maison au bout du village. Marou. Au village, il y a beaucoup de cars. Baba aime son petit village. Son petit village. Alors? Au village, il y a beaucoup de cars. Baba aime son petit village. Son petit village. Alors? Ses amis. Non. Alors? Alors, il est allé. Alors? Ses amis. Non. Alors? Alors, il est allé voir ses amis, Doudou et Moussa. Ils habitent une petite maison. Ils habitent une petite maison. Il va habiter une maison. Il aidera son père à bâtir la maison.